Donneurs, donneuses, vous êtes nombreux à vous poser des questions dans le cadre des nouvelles mesures gouvernementales et de la mise en place du pass sanitaire. Mais ici, au Casino de Cattenom, l'établissement français du sang et l'Amicale accueillent tous les donneurs dans le respect des gestes barrières et du port du masque. Il n'y a pas de différence par rapport au pass sanitaire parce que nous appliquons les mesures de distanciation, les gestes barrières. Les donneurs, dès qu'ils arrivent, on leur propose un masque ou alors ils ont un masque mais qui date moins de 4 heures. Il y a des différentes étapes du don où le donneur se désinfecte les mains et il y a la distanciation, 1 mètre de distance qui est appliquée entre les différents donneurs à différentes étapes du don. Voilà. Et ce n'est pas une contre-indication au don, le fait d'avoir été vacciné ou non n'empêche pas de donner son sang. Les réserves de sang ont été fortement impactées ces dernières semaines par la crise sanitaire, les départs en vacances et les épisodes de canicule. Les donneurs fréquentent de moins en moins les lieux de collecte, causant une chute des réserves de sang, tandis que les besoins des patients restent toujours importants. Effectivement, les réserves de sang sont faibles. On essaie depuis des mois, avec une grande mobilisation, essayer de motiver les donneurs à venir donner. Mais effectivement, nous avons des manques. Nous avons des lieux de collecte en moins, notamment les entreprises, les universités. Avec le Covid, il y a beaucoup de télétravail et du coup, moins de donneurs possibles sur ces différents lieux. Et puis, il y a eu le déconfinement. Les gens ont un peu profité de l'extérieur et ont oublié de revenir vers le don du sang. Donc, c'est pourquoi nous, on vous demande voilà, de vous mobiliser. Pour affronter l'été, il fallait 110 000 poches. Et début juillet, on était déjà à moins 15 000 poches. Donc, on compte sur vous. Comme à chaque collecte, l'Amicale du don du sang de Cattenom organise et accompagne les donneurs et l'établissement français du sang. Mon travail consiste à mettre en place sur le site de Cattenom les collectes, à organiser les collectes afin que les médecins et les infirmières n'aient plus qu'à s'installer pour faire leur travail. Donc j'achète tout ce qui est collation, je prépare les sandwichs, le café, tout ça. Je prépare tout pour recevoir, comme quand on reçoit à la maison quelqu'un, ben, nous on les reçoit ici. On essaye de ce que ça se passe au mieux. De temps en temps, on a des petites choses supplémentaires comme les galettes des rois en janvier ou des petites choses comme ça. Pour information, les prochaines collectes de sang auront lieu le 30 septembre et le 9 décembre de 15h à 19h. Donner votre sang ne demandera que quelques minutes de votre temps. Alors n'hésitez plus, l'établissement français du sang et l'Amicale ont besoin de vous.